Le microphone de plafond multicapsule Shure MicroFlex Advance peut être installé de trois manières. Monté en affleurement dans un faux plafond, suspendu par élingue ou fixé à un mât norme VESA. Ce microphone est disponible en deux dimensions pour s'adapter aux dalles de plafond standard de 2 pieds ou de 60 cm de côté. Des adaptateurs optionnels existent pour le modèle de 60 cm afin de le placer dans un plafond avec des dalles de 625 mm. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la dimension adaptée au format de dalle du faux plafond. Si le montage nécessite une protection ignifugée, vous devrez placer la couverture anti-feu fournie. Assurez-vous de laisser assez de place pour brancher le câble. Si les normes de sécurité l'exigent, vous pouvez fixer une élingue de sécurité à l'arrière du microphone, sur les points de fixation prévus à cet effet. Tout d'abord, retirez la dalle du faux plafond où vous souhaitez installer le microphone. Ensuite, amenez le câble de connexion via l'espace technique du faux plafond. Si vous devez passer le câble à travers une gaine de protection, vous pouvez utiliser le boîtier de jonction optionnel qui se raccorde directement au microphone. Branchez ensuite le câble réseau au microphone. N'oubliez pas d'utiliser un câble réseau blindé de catégorie 5E minimum. Entrez le micro complètement de biais dans l'espace ouvert du faux plafond, puis mettez-le à la place de la dalle précédemment retirée. Pour un montage suspendu, utilisez les 4 points de fixation situés au dos du microphone pour attacher vos élingues. Ce microphone est compatible avec le mât de fixation à la norme VESA. La plaque de fixation du micro est dotée de 4 trous filetés pour visser votre système de fixation. Maintenant que vous savez tout sur le montage et l'installation du micro, visionnez la prochaine vidéo pour apprendre à configurer ces lobes de captation.